Quoi, toi? Les meufs, c'est toutes les mêmes. Mais voilà, moi, je persiste à dire que t'aurais jamais dû l'appeler aujourd'hui. Qu'est-ce que ça aurait changé s'il l'aurait appelé plus tard? C'est vrai, qu'est-ce que ça aurait changé? Merde! Elle m'a filé un faux numéro! Un faux numéro, ça serait pas métamorphosé en bon numéro dans 2 jours! Oh, dans 2 jours, t'aurais été moins triste et au soir, t'aurais eu pensé. C'est bon, me saoule pas, stop, me saoule pas. En tout cas, je persiste à dire que tu sais pas y faire avec les meufs. T'es comme Youssef, toi. Tu sous-estimes trop les gonzesses. Je sous-estime trop les gonzesses! Monsieur, je connais tout, j'ai été à l'école. Et gros, faut que tu saches, les gonzesses, plus tu les jettes, plus elles reviennent comme des petits lapins. Tiens, tu commences à me chauffer, je suis fatigué, moi, laisse-moi dormir. Bouyaga, regardez la bombe là-bas, les mecs! Elle est pas mortelle, franchement! Où ça? Là-bas, à côté de la grosse bouée, là, vous la voyez pas avec ses gros seins? Vous la voyez pas? Ah ouais, bah ça va, d'accord. Bah alors, Youssef, franchement, elle est pas mortelle? Ouais, ça va, ouais. Quoi, mais vous êtes barrés dans vos têtes, là! Oh là là, regardez-moi ça! En plus, elle est en train de mater par ici, là, je suis sûr que j'ai une touche! Ah, c'est clair, t'as une touche, Mike, là! Mais franchement, laisse tomber, je la connais, cette meuf! C'est une pute! Quoi? Eh, hey, mais attends, t'es fou, toi! Eh, hey, c'est mortel si c'est une garce, en plus, elle a trop une tronche de cake, comme Blichon, là, la prof de sciences nat qu'on avait en 6ème! Non, Mike, j'ai pas dit que c'était une salope genre Blichon! J'ai dit que c'était une pute! Si ça avait été une salope, ouais, ça aurait été mortel! Mais non, là, c'est une prostituée, une pute, qu'est-ce que tu veux faire? Non, c'est pas vrai! Tu veux dire que ça, c'est une. Une pute? Une pute, genre une pute saisonnière? Ah voilà, t'as tout pigé! Et franchement, c'est de la balle atomique, cette meuf! Ah, ça c'est clair, je te le confirme, cette meuf, c'est de la balle atomique! Eh, hey, mais tu vas pas me dire que tu l'as pratiquée quand même! Eh bah, je te laisse deviner! Mais sois pas con quand même, pourquoi elle regarde par là, à ton avis? Non. Tu l'as pratiquée? Non, je l'ai pas pratiquée moi, je devrais plutôt dire, on l'a pratiquée nous. Vous trois? Mortel le plan sa mère, un little gangbang et tout! Vous l'avez pêché, non? Parce que franchement, c'est rare qu'elles acceptent pour 3 mecs à la fois. Ah non, mais nous on n'a pas payé, nous. Comment ça, vous avez pas payé? Mais non, on n'a pas payé, t'as qu'à demander à Youssef. Bah, pas ou quoi, payer quoi? En fait, cette meuf, on l'a rencontrée en boîte. Elle était toute seule, elle se faisait chier, alors on l'a invitée à boire un coup à l'appart. Et voilà, petit à petit, l'oiseau qui s'enlève. Arrête, c'est pas vrai, c'est pas possible. Si, c'est possible. Bon, après, je sais plus ce qui s'est passé. Youssef, il l'a emmené sur le balcon. Là, je l'ai emmené dans la cuisine. Dans une belle petite cuisine. Il a commencé à la tchatcher, il a commencé à l'emballer, puis voilà, c'était pesé. Et comment elle s'appelle, cette poussière? Ah, je sais plus comment elle s'appelle. Comment elle s'appelle, la meuf Youssef? Et qu'est-ce que t'en as à foutre? Vas-y, c'est une pute. Tu lui dis bonjour, madame la pute. Elle va dire comment ça va et la t'enchaîne direct. Ah ouais, 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 je la sens, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah, je la sens fine, sa mère. Je veux la bouillave. C'est un peu. Ah, mais. Eh, vous croyez qu'il y a moyen de moyenner les choses qu'elle aussi? Mais bien sûr qu'il y a moyen, il n'y a qu'à demander. C'est comme à la boulangerie quand tu y vas, tu demandes du pain. Et là, c'est la même. Tu repars avec une meuf. La même. Quoi, du pain? Du pain, mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Tu te fous de ma gueule, toi? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas me taper ou quoi, toi? Mais non, je vais pas te retourner sur ta serviette! C'est la meilleure chose! Je vais avec toi à propos d'un truc pareil! Espèce de bouffon! Tu nous fais plus confiance! Ah, mais j'ai grandi ensemble et tu nous fais plus confiance! Ouais, mais je vous croyais pas, il est venu gueuler! Excusez-moi, mais. Eh, mais je t'ai connu, t'étais un sous-brosson, n'oublie jamais ça! Doucement, pas, touche pas, dégage! Eh, mais c'était un malentendement, Youssef! Un malentendement? Mais ouais, c'était un malentendement! Puis, oh, t'as vu le colosse là-bas? Le coulouse, comme tu dis, c'est son Mac. Alors va voir son Mac de ma part et demande lui un cheeseburger, il va comprendre. Emporté, c'est un code. C'est un code, c'est ça. Un cheeseburger? Ouais, un cheeseburger. Mais j'aurais dû le deviner tout seul, c'était une teupue cette meuf. Ça fait une demi-heure que je te le dis, moi. Bon, comment je fais? Je vais l'avoir direct lui. Mais t'es gueudin ou quoi? Tu comprends ce que je te dis? Va voir son Mac, demande lui le prix. Après, pour toi, c'est bon, tac-tac, badaboum. Tac-tac, badaboum. Hein? Mais de toute façon, j'ai que 10 kiosques, ça suffit. Bah, tu lui expliques, y a pas de problème, c'est un coulouse, ce mec. Bon, ça vous dérange pas si je vais dans l'appart avec elle? Pas trop d'hommes, vas-y, moi, c'est bon. Eh, franchement, t'es trop un pote, Youssef. Franchement, ça va. T'es trop cool. Ça va. Bon, tiens, le caméscope, je vais aller chercher mes affaires. On se rejoint à l'appart. Ouais, ouais. Bon, allez, ciao, les gars. Tu vas pas y aller. Je sens que je vais l'enchaîner, ça. Mais si, il va regarder. Eh, vous êtes trop des potes, là, les mecs. Je vais la bouillave, grave. Je la sens bien. Ah là là, je te jure, ma parole d'honneur, si je le retrouve, je vais éclater ta gueule. La fille de pute, là, ma parole, j'ai trop les boules, putain. Oui, Mike, on va pas s'éterniser là-dessus, ça va. Quoi, on va pas éterniser là-dessus? Regarde devant toi, là, on va se scratcher. C'est bon, t'inquiète pas. Tu te fais niquer la gueule, tu t'es fait niquer la gueule, point à la ligne. Mais t'es fou, quoi, il m'a rien niqué du tout, là, voulu se la raconter avec sa meuf, il me connaît pas, moi, il sait pas qui je suis. Il sait pas qui t'es, Mike. Il sait pas que t'es un rouge, putain, merde. Mike, il sait pas qu'à tout moment tu le retournes lui et tu retournes Biarritz en même temps, putain. Putain, Mike, faut pas que tu te laisses. Mike, il faut que tu le fuck you. Fuck you, le Mike. Ah, lâche-moi, je conduis plus le Mike, merde. Laisse-moi conduire. Il y a une fight. Il y a une fight, mec. Il y a une fight. Mais ferme ta gueule, trou du cul, va. Tout ça, c'est de votre faute. Ah, une fight. Ta gueule. Ferme ta gueule. Putain. Hey, Mike, faut que tu le fuck you. Merde, j'ai pas une petite pouce, Mike. Ouais, mais t'as fait. T'as des corps grenades. Mais t'as vu ce que je suis dans la gueule? Al Pacino, Mike! Al Pacino, moi, bien sûr! Ouais, c'est Pacino! Mike! Vas-y, lâche-moi, merde! C'est le rat, Mike! T'es cher, c'est le flamme! Mike! C'est Al Pacino, Mike! T'as la même, là! T'as la même! Mais ferme ta gueule, blaireau, putain! Oh là là! Ah, ça va être chaud avec les meufs! Déjà qu'avant, c'était pas facile, alors maintenant, je te raconte. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire, toi? T'as mal, là, t'as mal? Bon,